au podcast de lutte en deux choses de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG All 2. Bonjour. Oh. Hola, hola, señorita. Señor. Ben ouais, c'est señor Benjamin. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là le dimanche. Ben deux semaines. On est vendredi, là. C'est dimanche qui sort le podcast. Arrête de faire le fin finon. Hein. Ah, j'ai cassé le quatrième mur. Ouais, m'a cassé le. Hey, reste poli. Boum! Reste poli. Ouais, ça. Là, on est 17. Pourquoi aujourd'hui? C'est quoi qui se passe au podcast aujourd'hui? Ben, un rétro review, mais en fait, c'est pas un review. C'est un aujourd'hui dans l'histoire avec un Sunrise Main Event, encore une fois. Celui qui s'appelle Wild Kingdom, avec le Warrior au-dessus de nos têtes sur YouTube. Ouais, Wild Kingdom. Puis, désolé pour le bruit de fan, ça va se régler très bientôt. Bon, moi, on a des bons fans, c'est le fun. Exact. Donc, oui, on est de retour avec un aujourd'hui dans l'histoire, / rétro review, parce que c'est quand même rétro. Fait que ça fait du bien d'écouter de la vieille lutte, de la vieille bonne lutte, comme Chris dans le temps. Chris, oui, c'était bon. Mon cher TG, fait qu'aujourd'hui, on va faire, on va décortiquer ce beau show-là. Et évidemment, si jamais vous avez suivi nos réseaux sociaux, partout, ben, il y avait des à travers la table avec des invités de feu. Fait que, la semaine passée, allez voir l'épisode, excellent épisode, un des meilleurs selon moi, avec Jason Gray, le guerrier, et aussi avec Zaza Azael qui est venu nous parler de Femme Fatale et celle qui lutte, que Femme Fatale qui avait lieu hier soir du côté de Québec. C'est ça. Ouais. Un grand succès, j'ai entendu dire. Ah oui. Pas surpris. Non. Fait que c'est ça. Bye tout le monde. Bye. Je sais pas quoi dire. Ah, on est relax, on est zen. Hein? Ça paraît qu'on est dimanche après-midi. Ouais, arrête de faire des clins d'œil. K-Fame is alive. Ouh. Fais pas ça, tu vas rester de même. Fait que je te laisse aller, mon cher, parce que tu vas nous faire la présentation du show ou est-ce que... Ouais, mais avant le show, là, il faut faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un bout qui est fun à faire tout le temps, là, voyons donc. Ça me dit rien. Ben oui, tu sais le segment, là, qui a une petite musique à l'heure en arrière de moi, puis je fais comme si je savais pas c'était quoi à tous les fois, mais je sais quoi. Ah, ok. Dans la vraie vie! Hey! Le segment où je fais deviner à Marco que dans la culture populaire autour du show qu'on vivait aujourd'hui, qui est le 13 mai 9 numéro 27. Es-tu prêt pour commencer ça comme d'habitude? Je suis très prêt, je me sens d'attaque. Ben, ce son un petit peu. On t'entend plus respirer. Ouais, justement. Tu respires tellement fort quand tu dors puis tu ronfles. Là, puis... Ben ouais, bien parlé, toi, le moteur de ton deux. Hey, Alfredo l'a dit que c'est toi le pire. Non, je ferais pas en tout. Oui. Au moins, c'est healthy quand je ronfle. Va voir le médecin, ce qui est healthy. Médecin, il sera pas là quand que je dors pour me voir ronfler, calice. Ouais, c'est ça. Ah oui. Hey, tu me brusqueras pas, là, on est relax, on est là, on est vendredi, samedi, dimanche après-midi. T'es fatigué, encore. All right, je suis numéro 1 en Amérique du Nord. Fait que là, on parle de quelle année, quel mois? Ben, le show. Ben là, juillet. 28 juillet 90. Oh. Billy Idol. C'est le 90, c'est pas. Ouais. Ouais, il peut sortir une tune en 90, Billy Idol, non? Ouais, dans le fond, lui-même. C'est pas lui, hein? Non, pas lui. C'est un groupe. Mais c'est un groupe que tu connaîtras pas. Que tu vas connaître la tune, mais tu connaîtras pas le groupe. Bon, ben, laisse faire d'abord, j'essaierai pas de deviner. Et la toune, c'est Unbelievable de EMF. Ah, ben oui, you're unbelievable. Ooh! Oh! Tout. C'est ça. T'as joué dans Coyote Ugly, ça? Joué à mes affaires, m'a dit. Ouais. Incroyable. Incroyable. Voilà. Chanson numéro 1 au Québec. Une demoiselle. Ouais, c'est 1990, ça doit être Marjo.
C'est tant Marjo tu dis ou Mariah Carey quand c'est en anglais. C'est tant les deux mêmes tu dis. Ok, ouais, je suis sûr que c'est plate. Attends un peu. Non, des fois tu dis Janet Jackson, des fois tu dis Destiny's Child. Bon, les quatre. Julie Mars. Julie Mars. T'es un babe, c'est-tu. J'en connais pas d'autres. Oui, mais bien croire, là. Mais... c'est une des Julie Mars ou Marjo, donc? Dans les initiales, c'est JB. Pas Jean Brassard. JB? Ouais, JB. J comme dans Jasmin. J'allais dire comme J comme dans le haut. Non, c'est pas son nom. Judith Butler. Tad. Non, c'est Apocalypso de Joe Bocan. Ah, ben la fameuse Joe Bocan. Ma tête de la mettre dans mes trois, c'est tout le temps même. C'est que ça avec Charles Biddle. Ah. Junior. Oh, c'est important. Ben oui, c'est important, oui. On se fait trop avec le père, là. Film numéro 1 au box-office, ça, tu pourrais peut-être le trouver. En 1990, j'imagine ouais. Que c'est une comédie. Non. Non? C'est un film d'action, genre slash science-fiction, en fond. Ben, ouais, science-fiction, ouais. C'est pas une série de films, en fond. Fait que c'est genre un des plusieurs ouais. Films, mais tu sais ce que je veux dire. C'est-tu le premier opus? C'est quoi ce film-là, opus? Ça veut dire le premier, deuxième, troisième. C'est que son frère opus. Hey, marché opus. Oui, bon, c'est. Réponds à tes jokes tout seul, là. Fatiguant. Vas-y, dans un guess, là, vas-y. Je lance. Ah, ben, ça doit être. Die Hard? Non, hein. C'est un autre guess ou on arrête ça là pour on dit la réponse? Un autre guess. Vas-y. Ah, c'est un autre guess, ok. Die Hard. Non, c'est pas science-fiction, Die Hard. Non, pas vraiment. Ouais. Mais cet acteur-là a fait beaucoup de films d'action. Là. C'est une sommité dans le monde des films d'action. Là. Ok. Mais t'sais, t'as. Ouais. C'est sûrement. Tu en as deux, trois qui sortent du lot partant là, quand tu parles de films d'action. Ouais. Que... Ah, Terminator? Lequel? Ah, 90, c'est le. Le deuxième. Et oui, c'est Terminator 2, le jugement dernier. Ouais. Ouais. Ah, mais je pensais pas que c'était. Quand je pensais science-fiction, le premier film que j'ai pensé, c'est Terminator, mais je me suis dit, c'est sûr, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est avec ton premier guess. Ouais, en même temps, après ça, je nomme Die Hard, qui est quasiment pas un film de science-fiction. Mais bon. Non. La vie. Ouais. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, c'est un nom connu que tu vas peut-être trouver. C'est que j'ai pas de mémoire. Jeu vidéo 90. Pac-Man. Oh, yes. C'est avec. Je dis tout le temps ce jeu-là aussi. Putain, c'est important que tu te trouves drôle, c'est ça l'important. Ouais, c'est ça l'important. C'est quoi? C'est Sonic. Sur Sega Genesis. Ouais. Sega. Ouais. Et dans le monde du sport, c'est au baseball. C'est un record, si on veut. So, ouais. Ken Griffey? C'est quoi son record, Ken Griffey? Ben, il y a un record, je ne me souviens pas. Il me semble qu'il y a deux, trois records, Griffey, non? Pour un joueur gaucher, un frappeur gaucher. Non? Il me semble qu'il y avait eu ça dans le temps. Non? C'est pas ça. OK. C'est Cal Ripken Jr. Joue dans sa 1500e game consécutive. OK, ça comme c'est son premier record. Là. Après ça, il y a eu le record des coussures. Il n'y a pas eu 2000 aussi, mais il s'est rendu à 2004, lui. 2000 coussures ou 2200 games? Non, 2200 coussures qui s'est rendu, je pense. Ça se peut. OK. C'est ça. Et sur le WWE Magazine, WWF à l'époque, évidemment, on va oublier. Ça, c'est mon cue. Non, il est pas là, je l'ai pas donné parce que c'est pas le bon. C'est vrai. Oh! Il est passé, il tombe sur le cul. Pas grave, on est en bonne franquette, hein. On est quand même dans le après-midi. Macho King! Randy Savage! Oui! Sur le cover, juillet 90. Évidemment, il est pas là sur le show ce soir, malheureusement. Mm. Mais non, puis dans le magazine, je vais te faire qu'est-ce qu'il y a. Quoi spécial? Ah, oh, Dusty Rhodes, bébé! Sinon. Attends.
Ça va être Lex Luger ou quelque chose genre. Alors, check qui est là, c'est ça. Tu vois-tu le jeu là? Où ça? Batman? Non, il s'était là. C'est quoi ça? Pac-Man? Ah, ok, Pac-Man. C'est Pac-Man. Non, non, t'as peut-être raison, t'as mal que ton guess. Ah, y'a-tu, oui? Ouais, voilà. Puis, évidemment, aussi, non seulement le magazine du mois de juillet, mais dans les journaux et les brochures qui annonçaient l'avenue pour la semaine de la ville, ça ressemblait à ça. Ça. Ouais, j'ai voilà! Regardez. J'ai bien vu ça. Fait que c'est ça qu'il y avait dans les journaux alentour de Omaha, Nebraska. Fait que quand même cute, quand même beau voir ça, je trouve. C'est un beau. Ah, il est beau. Un beau, un bel affiche pour le. Dans le fond, ils mettaient ça dans les journaux là, dans le bas de l'image, là, whatever. Là. Puis, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis il y avait des choses à Montréal. Je checkais dans le journal voir s'il y avait de quoi qui en parlait. Puis des fois, je regarde souvent, il y en avait. Là. Je trouvais ça vraiment cool quand il y avait des grosses affiches là, ou bien des gros textes. Des fois, il en parlait genre. Ouais, des fois, il en parlait, il disait, mettons, genre, il était au forum, puis il y a juste un texte, pas d'image, ça se plate un peu, mais au moins, il en parlait, tu sais. Avec sa permanente Ultimate Warrior. Ouais, ben oui, t'es carré, Warrior. Puis, j'étais vraiment loin, mais Cal Ripken Jr., il a 3100 coups sûrs. OK. Fait quand même. Ouais, mais c'est pas un record, ça, il doit avoir du monde qui ben oui, ben oui, il y a eu un record, à un moment donné... pas des années, un petit peu plus loin, les années 2000, je pense, non? Les games consécutives, oui, pas pour les coups sûrs, je pense pas, là. T'es sûr? Ben, je suis pas sûr parce que c'est du baseball, je connais pas tout, là. Ben, t'as gagné ton pool, tu devrais le savoir. Trois années sur quatre, mais ouais, mais ça n'a pas rapport. Mais... Incroyable. Et, j'ai un bon début de saison en plus cette année, fait que ça va bien pour le 4 en 5. Le seul gars qui connaît ça, il a de la misère, quoi. Ben, j'ai pas de misère, je gagne. Je parle pas de toi, c'est clair que je parle pas de toi, là. Mathieu connaît pas le baseball. Là. Ben non. Il a juste joué au baseball toute sa calice de vie. Pas grave. Parce que tu joues au baseball que tu connais ça. Ah, ben, des fois... T'as même lutté et tu connais pas ça à la lutte, toi. Hey, en passant, quand est-ce que tu vas me sortir ton livre de quiz, toi, là, pour faire des quiz dans le podcast? C'est ça qui me mettait ça à map au début, puis là, t'as arrêté de le faire. T'es sur la map déjà. Il y a du monde qui prend notre place pour les quiz à cette heure. J'aimerais ça qu'on refasse un autre à cette heure. Ouais, mais il y a personne qui prend des places pour des bons quiz. Fait que on est correct. Non, je veux bien croire, mais c'est pas grave. Hashtag we want the quiz back. Je t'annonce une primeur. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Le quiz sera de retour la semaine prochaine à travers la table, jeudi! Ah, mais à travers la table, c'est pas pareil. Quoi? Parce que c'est le podcast régulier qu'il faut faire les quiz. Mais non, pourquoi? À travers la table, c'est les petits jeux qu'on fait. C'est pas les pas des quiz. Non, il n'y a plus de jeux suivi ce temps-là. On n'a plus le temps. On est toujours pacté. C'est sûr que tu parles longtemps, toi. Ben, c'est un podcast, c'est normal. Ben ouais, mais tu respectes même pas ton propre run sheet. Je le respecte. Hey, cette semaine, je te tête en maudit. Ouais. T'as arrêté à tout, s'il te plaît, je t'allais l'entendre. Je l'entends même pas, moi, tellement que mon ordi ronronne fort. Ouais. Il se prend pour moi quand je dors, c'est ça? C'est ça. Voilà, fait que ça conclut. Aujourd'hui, dans la vraie vie, merci d'avoir participé. Oui. Fait qu'on est prêt pour le review du Saturday Night Event, Marco? Très prêt. Et c'est comme suit. Saturday Night Event Wild Kingdom est la 27e édition de l'émission. Est enregistrée le 16 juillet 90 en direct du Omaha Civic Auditorium de Omaha dans le Nebraska, qui était démoli en 2016. Évidemment, le show a été télévisé sur NBC le 28 juillet avec une cote d'écoute de 7,2, ce qui est l'équivalent de 2.5 de Dynamite aujourd'hui. Triste, mais vrai. 2.5, non, plus que ça. À 600 000 par semaine. Ouais, à peu près. Bon, c'est arrivé cette semaine, 600 000. Le reste, c'est long, 800 quelque chose. Arrête. Il y avait du sport qui jouait. Il y a les séries de basketball. Ben oui. C'est autant que moi que c'est vrai, en plus. Oui, puis ta gang. Henri, puis ta gang. SmackDown, à soir, il va-tu avoir moins d'écoute parce qu'il y a du hockey? Ben oui. Mais pas du hockey, il y a du basketball, je parle. Il passe pas à 8h, comment ça? Ben, Raw, cette semaine, il était pas là. Il était pas là à 8h sur Sports 360. Ah, ouais, parce qu'ils montent le hockey, eux autres, c'est pas pareil. Là moi, on parle pas du USA Network aux États-Unis. Ah, ouais, je sais, mais je l'ai pas, le USA Network, moi. Non, je sais, mais c'est ça qui compte le code d'écoute. C'est ça qui check eux autres. Tu peux checker pas Montréal, puis qu'est-ce qu'il y a ici, là. C'est le code d'écoute États-Unis. Fait que voilà.
Fait que voilà, les commentateurs de la soirée sont nul autre que Vince McMahon et Jesse le Body Ventura. Seul point faible du show, ça. Non, c'est pas vrai, pantoute. Ils font tant de belles jobs, Jesse puis Vince, là-dedans. Surtout Jesse. Surtout là. Vince. Ouais, j'aime mieux Jesse que Vince, mais Vince aussi fait une bonne job. Au contraire, c'est pas un knock sur Vince, mais j'aime mieux Jesse des deux. Là. Et le show débute avec Lord Alfred Hayes, déguisé en chercheur de la jungle, avec son monocle à l'œil, qui dit qu'on a ce soir une édition spéciale du Mutual Omaha's Wild Kingdom et hors caméra. La voix de Vince dit non, c'est le Wild Kingdom au Saturday Night Main Event qui ressuscite la World Wrestling Federation. Puis si vous voulez savoir pourquoi ils font une affaire genre de jungle de même, c'est comme un genre de spoof, une parodie d'une émission Mutual of Omaha's Wild Kingdom, où c'est connu sous le nom de Wild Kingdom, qui est une émission de style documentaire avec des animaux, comme un peu genre National Geographic, mettons. Ouais. Qui a commencé en 1963 jusqu'en 88, il a effectué un retour en 2002 jusqu'en 2011, et ensuite de ça, en 2013 jusqu'en 2018, pour finir au 7 octobre 2023, jusqu'encore à ce jour. Fait que c'est comme un genre de... C'est ça, c'est une parodie de ça, mais avec la WBF. Ouais. C'est des affaires qu'on voit souvent dans les vieux shows. On le voit souvent dans les shows modernes aussi, mais dans les vieux shows, il faisait souvent des affaires de même, là, dont le fameux show NFL, puis tous ces trucs-là. Prochain événement qu'on va faire, là, maintenant, ça va être Oktoberfest. Ça va être des dingues, c'est ça? Non, Oktoberfest, c'est l'affaire de saucisses, là. C'est de la bière, non? C'est pas de la bière? Ouais, la bière, les saucisses, les chapeaux, là, puis les petits soutes en shirt, là. Ben, de toute beauté. Après une intervention de Vince et Jesse, qui font des jeux de mots avec les animaux, on a le thème musical de Science Main Event qui part, et évidemment un thème classique. Après son interview time avec Bobby Heenan et le ravissant Richard Rude, devant un écran vert avec des logos de Rick Rude sur un fond bleu. Et tout le monde savent qu'un animal a besoin d'eau et de nourriture pour survivre, dit Heenan. Et Ward, tu vas être un morceau de la chaîne qui va nourrir cette bête affamée. Tu l'as déjà dévoré avant et tu vas apprendre que ce soir, l'histoire va se répéter, dit Rude. Tu vas savoir que l'eau où tu y nages sont habitées par le plus grand prédateur de tous, Ravishing Rick Rude, le prochain champion de la WWF. Il y a la réplique du Warrior en disant à Rude d'écouter la leçon en évolution qu'il va lui donner. Dans la chaîne alimentaire, les plus gros animaux mangent les plus petits. Le guerrier ultime a peur de aucun prédateur et ce soir, Rick Rude, je vais te prouver que je suis l'animal ultime. Sur ces belles paroles, match numéro 1. Oui. Ultimate Warrior contre Ravishing Rick Rude avec Bobby Noon dans son coin. Évidemment, pour le titre WBF Championship détenu par le Warrior lui-même. Ouais. Et avant que tu ailles avec ton match, ta description de match, beaucoup d'histoires entre les deux, mon cher TJ, Warrior Rude, qui... On en a déjà parlé souvent au podcast, là, mais ouais. On disait que peut-être c'était une des meilleures rivalités de Warrior. Oui, on parle souvent d'Hogan, Macho Man, peut-être pour son meilleur match, le sien, en tout cas. Plus opposant que rivalité, je trouve. Là. Pour vrai? Ben, ouais, je sais pas. Ben, c'est in and out, là. Moi, quand je pense à Rude et Warrior, je pense pas à leur feud, je pense à leur match un contre l'autre, plus que d'autres choses. Hein. Ouais, peut-être plus les adversaires qui ont le plus de bonnes séquences, surtout pour Warrior, de séquences de matchs intéressantes. Là. Ouais, peut-être. Mais tu sais, évidemment, il y a eu le Rumble, le Super Bowl en 89, qu'on avait déjà reviewé, puis avec la biographie de Rude, évidemment. Warrior, les deux. On a fait Warrior aussi, hein, c'est vrai. En fait, les deux. Oui, Rude Warrior. Fait qu'il avait Rude avait attaqué, évidemment. On l'avait fait Bobby en plus. On l'a fait les trois dans le match. C'est vrai, ça. Pendant ce truc-là, ça avait mené un match de championnat à WrestleMania 5 pour l'Intercontinental avec la fameuse fin controversée avec Bobby Heenan qui tient les pieds d'Ultimate Warrior puis qui fait remporter le match à Rick Rude. Un très, très gros victoire pour la carrière de Rude, évidemment. Puis après ça, il y avait un rematch à SummerSlam aussi, où ce que Warrior avait regagné le titre intercontinental. Après ça, Warrior lui s'en allait contre Hogan à WrestleMania 6, le fameux match, mon match préféré de tous les temps de WrestleMania, où ce que Warrior a remporté les deux titres. Après ça, Warrior avait laissé tomber le titre intercontinental et d'être demeuré champion au WWF. Puis si je ne me trompe pas,
la première défense de titre de Warrior, c'était pas contre Rude, première? Ou première en pay-per-view, peut-être? Il a gagné WrestleMania. Il n'y a pas King of the Ring en ce temps-là. Fait que SummerSlam, c'est ce qui s'en vient. C'est le premier title. Ouais. Fond, le premier title shot en pay-per-view. Là. C'est ça. Fait que c'était à SummerSlam 90. Évidemment, le fameux match de cage entre Warrior et Rick Rude. Un match qu'on a reviewé aussi. Parce que si je me trompe pas, je pense que le premier défense de titre de Warrior, je pense que c'est genre à coup, genre. Ouais, dans un genre de jeu de. Saturday Night's Main Event, ouais, exact. Ouais. Puis, fait que c'est ça, match de cage après ça pour le titre WWF remporté par Warrior. Mais ça, SummerSlam, c'est le match qui va suivre ce combat-là, dans le fond. Hein. Ouais. Fait que ça, c'est, comme tu disais, c'était quoi, 2 semaines plus tard, à peu près, même pas, semaine plus tard? À peu près, ouais. Donc, mais avant ce combat-là, il y a un combat de championnat ce soir. Peut-être que Rude va rentrer à SummerSlam avec la ceinture. On verra pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais. Et puis, Rick Rude a sa version de doublé dégueulasse sur le network. Qui est vraiment, c'est pas bon. Ouais. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Mais ça, c'est Peacock, là. Non, c'est pas Peacock. Ça fait longtemps que c'est le même. Je sais pas. Il y a certaines chansons qui sont dans le catalogue qu'ils peuvent pas utiliser. C'est bizarre. Ah bon. Bon. Oh, pendant que derrière moi, Tito Santana, Aliba est dans le ring. Oh. Yes, Aliba! Le ravisseur Richard attaque le Warrior de dos avant la cloche. Son avantage ne dure pas longtemps avec Warrior qui revient avec entre autres 2 gouttes atomiques que Rude dans la perfection. Puis vous regardez, là, quand Rick Rude il mange des Atomic Drop, là, c'est vraiment malade comment il mange. C'est vraiment comme si genre, il était immobilisé par la douleur. Puis genre. Comme si j'avais envie de faire quelqu'un en milieu de la limite. Là. Ah, mais Rick Rude, pour Ultimate Warrior, pour le faire bien paraître, il donnait tout. Là. C'était fou. Ouais, mais il faisait avec tout le monde ce move-là. Il vendait ça pareil comme ça. Même qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça existe encore sur Twitter X, là, mais il y avait un gars qui avait, il avait juste ça comme sa page à lui. Il montrait juste des vidéos de Rick Rude qui vendait des Atomic Drop. C'est vraiment, c'était malade, là. Je sais pas si ça existe encore. Il faudrait se check, là. Mais, ouais, c'est bon, côté. Ça. Ouais. Fait que, voilà. Fait que, non, pour vrai, c'est une marque de commerce de Rick Rude que je me rappelle encore toutes ces années-là. Mm. Et après ça, on a le Warrior qui envoie Rude à l'extérieur. Il cogne les têtes de Rick et Bobby ensemble. Le fameux Coco Bung. Et après ça, un coup de manche double H, mais Rude au tapis. Et après ça, Warrior se donne l'élan. Il fait son splash, mais plus personne dans la piscine et s'écrase au tapis. Après ça, on a Rude qui prend la ceinture et frappe Warrior pendant que l'arbitre est distrait par Bobby Heenan. Et l'arbitre du match est Joey Morella. Et encore une fois, ça ne dure pas. Et Warrior poigne Rude dans le ventre quand il saute de la troisième câble. Et après ça, on a un body slam de Warrior sur Rude. Il réussit, mais le deuxième est contré par l'aspirant qui fait une prise du sommeil au champion. Puis dans quelque chose que j'avais jamais vu avant et que j'ai jamais vu depuis ce temps-là, t'sais, pendant qu'il fait le sleeper warrior, là, évidemment, tout le monde connaît pas tout ce que le gars, il reçoit un sleeper, puis le ref arrive, puis il pogne le bras, puis fait 1, 2, puis 3, il se réveille. Mais t'as-tu remarqué, qu'est-ce qu'il faisait dans ce match-là, le ref? Rafraîchis-moi la mémoire. Il l'a fait avec la jambe, le warrior. Hey, non, j'ai même pas remarqué ça. T'as pas remarqué, Chris, c'est flagrant comme... Peut-être que pendant le sleeper, je regardais ailleurs aussi. Ça ouais, peut, ouais, mais il a pris la jambe. Tu sais, au lieu de prendre le bras, il a pris la jambe, fait 1, 2, puis après, il a checké la jambe. Après, c'était malade. J'ai fait, voyons, c'est bizarre. C'est quand dans le match, ça, exactement? Je sais pas, le milieu, je dirais, à peu près. Je vais essayer d'aller. C'est sûr, je vais retourner voir ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Ouais, tu verras. C'est même Jesse, au commentaire, il dit, ouais, pourquoi il prend la jambe? J'ai jamais vu ça, moi, non plus. Weird. Ouais, c'est vraiment weird. Je sais pas pourquoi, là. Peut-être qu'il va être de la voix, je sais pas. Peut-être un inside, non? Entre les gars? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura un peu de la bouche aussi, peut-être. Je sais pas. Tu m'en aurais avec des tic-tac à Crusher. Et ouais, fait qu'après ça, Warrior s'est fait de l'emprise de Rick en tombant assis en brise-mâchoire contre le Ravishing One. Et après ça, Rude tente son réveil brutal, qui est évidemment son neckbreaker, qui s'appelait en anglais le Rude Awakening. Puis Warrior se le prend juste à temps que Rude réussisse à lui faire. Et c'est terminé. 1, 2, et non! Warrior dégage le finish de Rick Rude. Ouais. Mais, à sa défense, à Rick Rude, ben pas sa défense, mais pour dire comme quoi que son finish est quand même assez fort, parce qu'il a pris son temps, M. Rude, avant de faire le tomber. Ça l'a pas aidé. Comeback du Warrior avec des lines et son coup de bélier en élan dans les câbles. Grosse splash! 1,
2. Mais Ina vient briser le compte. Et après ça, évidemment, il essaie de se pousser dans l'allée. Puis Warrior veut juste sortir du ring, puis il le rattrape, puis il l'étrangle. Et après ça, Rude vient aider, mais Warrior le prend au-dessus de sa tête en press militaire. C'est pour ça, Ina frappe Warrior dans le dos, mais dans le ring. Bobby est cerné dans le coin. Puis Warrior lui rentre la tête dans le coin à quelques reprises. Elle le sort du ring. Donc, le gagnant, par disqualification, est toujours champion de la WWF. Ouais. Le guerrier ultime. Ben, tu sais, moi, j'avais, c'est la première fois que je voyais ce match-là, ever. Là. J'avais jamais vu ce match-là. Puis, en sachant que le match de SummerSlam s'en venait, je savais, le résultat, je savais que ça allait finir par DQ, évidemment. Là. Ouais. Mais, honnêtement, là, c'était un match qualité pay-per-view. Là. Ben oui, c'était bon. Là. Le match était bon. À un moment donné, j'étais sûr que c'était fini. J'étais comme, ah, c'est fini. Ah non, mais non, voyons donc. Puis, j'embarquais comme si. Ben, comme si j'avais jamais vu le match, je l'avais jamais vu. Ouais. Mais, tu sais, je savais pas le finish. Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme. J'étais rendu comme si j'écoutais un live show là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on était en 90? Puis j'étais comme, oh, ouais. Oh, oh! Hey, ça fait quoi? Ça fait 34 ans de ça. Hey, c'est malade, là. Puis. Voyons donc, là. Tu sais, peut-être le cage match puis le match de WrestleMania sont très forts, mais ouais. Honnêtement, ce match-là, il fait, a pas à rougir. Là. Le cage match, c'est pas si fort que ça, j'ai trouvé. C'est plus le match à SummerSlam l'année d'avant, là, avec Piper qui arrive et qui intervient. Là. Intercontinental, dans le fond. Ouais, 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 ouais. Mais ce match-là, est-il meilleur que le match de cage? J'ai pas regardé le match de cage à peu près. Je pourrais pas dire, mais sûrement que non, là, mais je sais pas. Parce qu'il est solide, là, ce match-là, honnêtement. Hein. Puis sinon, très bon opener, vraiment, avec une foule endiablée. Puis comme on dit souvent, Warrior et Rose, c'est la belle chimie entre les deux, là, tout le temps. Là, ils font tant des belles affaires dans le ring. C'est fou quand tu regardes un match entre ces deux-là, puis tu regardes les autres matchs de Warrior, puis tu es comme, mais voyons donc, il aurait fallu quasiment que Rick Rude soit dans la majorité de ses matchs de sa carrière, et ça lui aurait donné une autre perspective à son côté lutte. Là. Ouais, c'est sûr, ça l'aurait aidé. Mm. Puis les deux vont s'affronter encore une fois dans quelques semaines à SummerSlam, mais cette fois-ci, comme on l'a dit, dans un combat de cage. Ouais. Un combat que le Warrior va gagner également. Ouais. Après ça, on est avec Lord Alfred Hayes et Mijin O'Cullen qui sont ensemble dans une pièce avec un foyer et plusieurs têtes d'animal sur les murs. C'est très dégueulasse. C'était malade, c'est bon, c'est drôle. Calisse. Un peu, c'est que... C'est quand ils se promènent dans le jeu et qu'ils voient, en tout cas, on va dire tantôt, là. À chaque fois, je me disais, pendant ce temps-là, je vais aller me chercher quelque chose à boire ou peu importe. Puis là, je regardais, puis je restais accroché, puis j'étais comme, calé, c'est n'importe quoi. Tu sais que tu peux baiser pause puis aller le faire pour venir. Ouais, mais. T'aimes pas ça? T'as pas écouté un show complet, toi, hein? C'est ça que tu me ben, dis? Ben, si je peux l'écouter sans arrêter, ouais. Oui. Ouais. Plus ouais. Les pay-per-view, par exemple. Là, mais... Surtout que quand je l'ai écouté, j'étais tout seul chez nous en plus, fait que c'était encore plus le fun. Ouais, ça, c'est sûr. Fait que Alfred appelle Gene Jim et O'Connor le corrige. Il doit aller dans la jungle où il y aura peut-être des tigres, des lions ou des ours. Quand il dit ça, O'Connor, il a pas l'air bien heureux de savoir tout ce qui s'en va. Puis Ace demande pourquoi. Et Gene dit que c'est parce qu'il a toujours voulu rencontrer Pete Rose. Parce que j'ai pas dit la phrase qu'il y avait avant. Là. Puis il demande, ouais, Mijin a dit, il a pas l'air heureux, puis il demande s'ils vont aller voir la rivière. Après ça, il dit pas, c'est toujours à vouloir rencontrer Pete Rose. Ouais. C'est l'année d'avant que Pete Rose a été banni du baseball majeur pour avoir fait des paris sportifs pendant qu'il était joueur et entraîneur des Reds de Cincinnati. Puis à ce jour, il a pas été blanchi de ça, puis il n'est pas dans le temps de la renommée du baseball. Fait que c'est non. Ça, c'est un petit dig à Pete Rose, un gars qu'ils vont engager, quoi, dans 8 ans plus tard, pour. WrestleMania 14, je me trompe pas. Ouais, ben 3 années, 3 années de suite, en fait, non? Oui, 14, 15, 16. Ouais. 16 égale slash 2000. Ouais. Fait que voilà. Après ça, on a Vince qui nous envoie un vidéo package sur Hulk Hogan. Magique. Honnêtement. Le vidéo package, était-tu bon? La vidéo Platoon était cœurante, man. Ben, je l'avais dit là, quand en fait le bio d'Hogan, c'est ça, je te parlais. Que c'est le ça, vidéo, tu parlais? Oui, c'est ça, je parlais, d'aller voir ça, c'était écœurant, pour vrai, c'est bon, là. Hé, hey, pour vrai, faut que je prenne juste la toune de ça, là, puis que je la mets juste comme ça, là. Je vais garder la toune parce que c'est vraiment nice comme recap. Tu sais, c'est cheesy à spot, là. Ah ouais.
Évidemment, parce que tu sais, c'est le Ultimate Babyface, ah, c'est terminé. Est-ce que je vais pouvoir me relever? Non. Et quand il fait l'adoration puis les shots de Earthquake, c'est boum! Ouais. Non, c'est malade. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment bon là, comme vidéo. Ouais. Puis ouais, fait que c'est ça. La fois, c'est... Le vidéo commence avec Real American, puis ça tourne évidemment à l'attaque de Earthquake qui a eu Hogan au Brother Love Show le 26 mai à WWF Superstars. Ouais. Une version, dans le fond, au secours de l'attaque entre, mettons, The Rock et Cody, là, une couple de semaines, mettons. Là. À peu près le même genre de beatdown. Là. Ouais. Ben, moins plus hardcore, là, celui de Cody et The Rock, évidemment. Là. Ouais, mais non, je comprends le lien que tu fais. Que, ouais. C'était comme, oh non, ben, en fait, oui et non, parce que Hogan était plus considéré comme le gars intouchable. Cody Rhodes, non. Fait que le fait que là, oh, il y a quelqu'un qui peut mettre le géant Hogan à terre, fait que... Ça donne de l'importance à Earthquake aussi. Fait que, t'sais, on s'entend qu'Earthquake n'aurait jamais battu Hogan, mais quand même. Non, c'est sûr. C'est un monstre, là. Ouais. Puis la vidéo ça se transforme en hommage au Hulkster avec la toune qui devient une version plus lente et triste de Real American. Ouais. Et ça se donne avec un gros plan du casier d'Hulk Hogan qui se fait slammer avec un gros bruit de famage de porte de case. Ça, c'était malade, ça aussi. Avec la chaîne et la chaîne, la camisole, puis il fait juste tout. C'est malade. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment c'est bon. Si vous n'avez jamais vu, allez voir ça. Mais à fond, allez voir le show complet qu'on review là. C'est vraiment bon. Là. Est-ce que juste cette vidéo-là est sur YouTube, tu penses? Oui. Oui, j'ai vu une couple de fois, oui. OK, faut mettre ça sur notre page. Pas le choix. Là. Pour vrai, elle n'a vraiment pas le choix. Ah, ouais. C'est bon. Oui. OK. Puis après, on a un interview time avec Vince McMahon dans le ring avec Hulk Hogan. Il dit, Hogan dit merci à tous ces Hulkamaniacs si ce soir et à la maison pour envoyer des lettres et des cartes pendant sa convalescence. Je vous aime tous et je vais répondre à tous les messages, peu importe le temps que ça va me prendre, rajoute le Hulkster. Il dit qu'il va montrer à Earthquake qu'il a fait une grave erreur de s'attaquer à lui. Et on était immédiatement dans le passé, mais jamais autant que ce que Earthquake, Jimmy Hart et Dino Bravo ont fait en m'alligançant pour essayer de finir ma carrière. Il a vu le plaisir dans les yeux de Earthquake et Jimmy Hart. Quand il partait en civière en pensant que tout était fini pour moi. Mais grâce à vous, les prières, l'entraînement, les vitamines, je suis de retour, mes frères. Ouais. Et pour contrer Bravo, je vais avoir le Tugboat dans mon coin. Et après qu'il dit ça, ben, le clan de Jimmy Hart vient entourer Hogan un peu comme The Shield. Et avant qu'il puisse le pogner, Tugboat arrive dans le ring en courant et chasse Earthquake et compagnie. Fait qu'on a un stare down entre les deux équipes. Puis Tugboat, qu'on va voir, évidemment, ouais, c'est là au centre, ça, je suis Poppy. Ouais. Le 15 juin, à la guerre civile. Bon lien. Apparemment, ben, c'est un chic type en plus. Ouais, Uncle Fred, alors, qui est vraiment le fun. Brown, c'est la pince. Oui, ben oui. Puis faire tout. oui, fait qu'après ça, voilà, Hogan va battre Earthquake à SummerSlam. Par contre, c'est pas Tugboat qui va être dans le coin de Hogan, mais c'est le Big Boss Man. Après Earthquake et Bravo ont attaqué Tugboat au Superstars du 18 août. Puis la raison, c'est une raison kayfabe, là, si on veut. Parce qu'il était correct, il était pas blessé, mais il voulait juste avoir le Boss Man parce qu'il était plus populaire que Tugboat. Fait que, ouais, mais c'est normal. Je trouve que ça fait plus de sens, ouais. Ça. Au pire, moi, il m'a demandé, voir si on peut l'avoir en entrevue, l'Earthquake, pas Earthquake, mais Tugboat, on m'a demandé voir c'était quoi le plan. Je suis curieux. Dans la jungle, Ace crie à Jane qui fait pipi plus loin d'arrêter de niaiser de le suivre. Et soudainement, Coco Beaver, son perroquet Frankie, arrive devant les deux et dit qu'il cherche un compagnon pour son oiseau. Et Jane regarde dans les airs et trébuche sur un tronc d'arbre et tombe face à face devant un serpent. Puis évidemment, il freak out. Et dans un voice-over, il dit Hazy qu'il s'apprêtait à l'aider, mais en fond, pendant qu'il dit ça, dans le foulage, on le voit qu'il recule de même, tranquillement, pas que la surface le voit. c'est drôle parce qu'à toi qui fais les voice-over, il dit tant le contraire. Genre, oh, j'ai bravé les sentiers, le lac pour aider Gene. Parfait, c'est tellement nice. Ouais. Ouais. Et après ça, on le voit Jake Roberts qui arrive, qui prend son serpent. Damien, il dit à Bad News Brown, qui était sa fiode au moment de ce show-là, de porter attention au serpent et que Damien est une raison de plus pour faire des cauchemars. Puis Damien a eu la chienne, puis il se tient la poitrine. Et après ça,
Les deux regardent les deux côtés avant de traverser une rail de train. Et après ça, les Bushwhackers arrivent en faisant leur marche sur les rails. Ouais, wow! Et Ace dit à Jing de laisser faire et de continuer leur recherche. Donc, après ça, on se transporte, au match numéro 2. Demolition avec Axe contre les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty pour les titres par équipe de la WWF détenus par, bien sûr, Demolition. Les Rockers qui ont commencé leur carrière en même temps que les Nasty Boys qu'on a eu en entrevue, qu'on va avoir pour le 300e du podcast. Donc, ils ont fait la pluie et le beau temps à l'intérieur et à l'extérieur des rings, ces deux équipes. Ben, la pluie et le beau temps dans le ring, puis la neige, puis... la pluie, ouais, tout le reste, le zèle. ouais. Et Smash et Crush vont lutter pour Demolition, comme je dis, évidemment, avec Axe qui accompagne. Ouais. Évidemment, là, c'est à l'époque où Demolition était comme genre les Freebirds Rule, mettons, là, pour les défendre les titres par équipe puis faire leur match. Mais en fond, c'est Axe Billy Dee qui avait été au Japon, je pense, quelque part, puis il était une allergie sur les seafood. Ouais, une allergie sur les. Comment on dit ça, les seafood en français? Le poisson, là. Les fruits de mer. Ouais. Les fruits de mer, c'est ça. Ouais. Fruits de mer. Fait qu'il y a eu une allergie à ça, fait qu'il a fallu qu'ils arrêtent de lutter. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis Crush avec eux autres pour faire la troisième personne pour que Axe ait moins de matchs. Il arrivait à l'occasion, là, mais les matchs complets, c'est bien rare qu'ils faisaient. Là. Entre Axe et Smash, t'aimes mieux qui, toi? Axe, comme lutteur, j'aime mieux Axe, mais comme personnage, j'aime mieux Smash. Ouais? T'as mieux Axe comme lutteur, hein, ouais? Ben, il est bon, Axe, pour vrai. Il est très bon. OK. Je sais pas. OK. Et Smash a l'avantage sur Marty pour débuter. Et Jannetty se tasse d'une charge et run wild sur le membre de Demolition. Pardon. Il le sort et avec un show chassé. Et les Rockers sortent Crush et Clay le ring. Et après ça, il y a Sean qui fait un relais à l'aveugle. Et les Rockers font un combo Hurricanrana dropkick sur Smash. Un peu botché dans les discussions, mais qui ont réussi à faire quand même. Mm-hmm. Et après ça, Crush vient dans le ring et ramasse Sean avec une clothesline qui le fait virvolter dans les airs. Et éventuellement, Crush est avec Marty et Jannetty travaille Crush avec une prise de tête. Mais Crush le place à la troisième corde et le choke. Et après ça, on est dans un spot qui était cool, mais manqué en même temps. Marty saute de deux en sunset flip, mais ça look pas trop parce que Crush est pas assez baissé. Fait que c'est comme genre, oh, je te tombe dessus, après ça, on roule un peu plus crush. Ben, c'est parce qu'il était trop grand, tu sais. Il s'est penché, on dirait. Ouais, pas il s'est pas penché, on dirait. Il était comme demain, mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'il jump par-dessus. Hein. Parce qu'il s'est comme genre juste penché à la tête, on dirait. Il s'est pas penché le corps. Il s'est pas penché le haut du corps au complet. Fait que ça a l'air un peu plus crush, mais quand même. Il a fait un compte de deux là-dessus. Hey, dit, ça a l'air un peu plus crush. Non, c'était pas voulu. OK. J'aimerais dire le contraire, mais c'était pas voulu. En bas du ring, Marty frappe. Axe frappe Marty avec une corde à linge. Et on voit une pause commerciale après que l'arbitre vient demander à Axe si c'est vrai. Et bien sûr, il plaide l'innocence. De retour après la pause, de la pause plutôt, avec Jannetty dans le trouble, avec Demolition qui coupe très bien le ring en deux. Et après ça, on a un briserin tour du monde de Crush, bien exécuté, très bien fait. Ouais. Ah, c'est bon. Après un genre de choke slam où, que, dans le fond, il y a juste. Je pense que il est arrivé des câbles, il a juste pogné le coup et il a juste choke slam à terre. C'est une genre de guillotine, running c'est guillotine. C'est genre le choke slam, bossman slam, un peu, si on veut. Ouais. Ben, c'est cool. Je sais pas si c'était voulu, mais. C'est bon. Les connaissants Crush, je suis pas sûr. Bref. Les champions dominent Marty jusqu'à ce que Jannetty fait tomber Crush par les cheveux. Et la tag se fait des deux côtés à Smash et Shawn Michaels. Coup de bélier à Smash. Chose chassée à Crush. En fonction d'une collision entre les deux membres de Demotion, ce qui permet un double dropkick à Crush qui tombe en bas de la reine. Même chose à Smash ensuite. C'est suivi d'un double super kick. Et les deux montent au top et font un coup de poing de la droite jusqu'à Smash au tapis de toute beauté. C'était très synchro aussi. Il y a eu un super kick party dans ce combat-là aussi. À un moment donné, ils ont fait comme deux super kicks chaque puis un en équipe. Là. Tu m'as pas entendu, je l'ai dit. Mais c'est ça que je voulais dire, super kick party. Super kick party avant le temps.
Ouais, quasiment 15 ans avant. Le pire, c'est que les Bucks ressemblent pas mal aux Rockers. Ben ouais, c'est le même principe. Hardy Boys puis Rockers, mis ensemble. Oui, fait qu'après ça, 1, 2, mais Crush tire le pied de Sean. Et pendant que la bête est préoccupée avec Crush et Marty, la bête manque Axe, qui entre pour faire une corde à linge à Shawn Michaels. Et c'est même Axe qui fait le pin en se couvrant la tête pour pas que la bête voit que c'est pas le bon le Sean. Les Bella Twins avant le temps. Oui, ben Bella Twins, puis ils faisaient ça aussi, les Brainbusters avec Bobby Heenan aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Il l'avait fait à SummerSlam 89 contre les Hart Foundation, même quand on a gagné le combat. Et après ça, évidemment, le compte de 3 se fait. Il est toujours champion par équipe de la WWF. Demolition! Mais après, là, j'ai eu des frissons après le match. Oui. Évidemment, après la décision, Sean questionne l'arbitre et lui dit que c'était Arc, c'était dans la ring et non Smash. Oui, il a raison. Et là, après ça, on a la Hart Foundation qui arrive pour dire la même chose que les Rockers. Puis pour rajouter une couche par-dessus ça, Legend of Doom, Mark Animal aussi arrive, puis dit que les Evolution ont triché. Mais la décision reste la même. Evolution est toujours champion de la par équipe de la WWF. Exact. Puis pour rajouter avec ça, tu vois, Rockers viennent de perdre, mais ils sont là quand même. Hard Foundation arrive, puis Ox et Animal sont là. Fait que tu vois toute la décision par équipe, qu'est-ce qui vient dans les prochains mois d'une shot. Hey, fait que c'est bien c'est fait. C'est malade, là. Tu regardes juste. Les équipes qui sont dans la ring en ce moment, là, c'est meilleur que peut-être les 10-15 dernières années dans la lutte moderne. T'sais, c'est tellement là, des grosses équipes. Là. Moi, je te dis, le PSA, je fais comme « Oh, wow! » Puis je savais pas que Legend of Doom allait arriver dans ce truc-là à la fin. Puis j'ai fait « Oh! Ouais. » Tu sais, je marquais dans le show. Je marquais littéralement parce que j'ai pas vu le show. Je faisais « Oh! 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 » Puis... Tu l'as sûrement dans tes notes, là, mais pour ajouter pour SummerSlam, ben, les Rockers, eux autres, vont affronter Power of Glory du côté de SummerSlam. Ouais. Puis Demolition va affronter Hart Foundation dans un 2 out of 3 falls match pour les ceintures par équipe qui vont être remportées par Hart Foundation. Ouais, Axe va quitter la WWF aussi après Survivor Series. Ouais. Pendant que Demolition vont continuer à être progressivement éliminés par la suite, c'est ça en septembre 91 officiellement. Mm-hmm. Puis évidemment, comme tu as dit, les Rockers vont affronter Power and Glory à SummerSlam. Une équipe qui est managée par un certain Slickster Brother. Je t'avais de l'acheter, le style de Slick. Je le regrette pour vrai pas l'avoir pogné. Quasiment là. T'es 40$, c'est rien, 40$, Colin. Je peux pas croire qu'au nombre de fois qu'on en parle et qu'on rit, qu'on n'a pas au moins un Slick dans notre collection. Ouais, j'aurais dû le pogner, je le regrette un peu. Ah, attends. Hey, on a encore nos passeports, hein? On va juste pour ça. Et ouais, fait que voilà. De retour dans la jungle, il a un beau duo. Mm-hmm. Et Jean commence à sentir des piqûres sur lui, puis il se gratte un peu partout. Puis il y en a qui arrêtent à la région du derrière. Oh, une belle comédie. Et puis il rentre en transe, puis il se met à imiter des animaux. Puis pendant que Hayes arrache un morceau de feuille à côté de lui, puis il réveille Mean Gene en faisant sentir ce qui arrive, puis il revient à lui. Fait que voilà, on va voir d'autres choses tantôt d'eux autres. Si tu serais un animal, tu serais lequel? Je sais pas, vite de même, je sais pas. Un lion, peut-être. Pourquoi un lion? Ben parce que je pourrais manger tout le monde. Juste pour ça. Ben ouais, c'est cool, un lion. OK. Ben ouais. Oh, ben tu vas venir sur On the Spot, je pourrais peut-être avoir une réponse pour s'en peut-être plus tard, là, mais On the Spot, je dirais le lion. On parle de jeunes, on sait où t'es. Ouais, ouais, mais je sais bien, mais on parle de lutte aussi. Là. Ouais, il y a ça. Ouais. Ouf! Et après ça, on a Tito Santana qui fait son entrée vers le ring! Et on a ensuite une interview temps avec Sean Mooney, Bobby Lacervelle, Heenan et Monsieur Parfait. Et Heenan dit qu'il va sentir l'effet de la prochaine défense du titre de Perfect. Le champagne au party de la victoire. Et Santana, tu es un ancien champion intercontinental et tu vas rester ça, un ancien champion intercontinental. Et après ça, Perfect dit qu'il a entendu les gens comparer Santana à un guépard. Juste un animal, ouais, juste un animal parfait dans le monde. Et vous le regardez en ce moment devant vous. De la chevelure à la vision 2020 jusqu'à la dentition parfaite sans aucune carie. On est samedi soir et je suis à mon meilleur avec Bobby et le Brain dans mon coin.
et je vois personne qui peut arrêter cette force en ce moment. C'est pas tard. Donc, oui. Donc, match numéro 3. Monsieur Perfect avec Bobby the Brain Heenan dans son coin affronte Tito Santana pour le titre intercontinental de la WWF détenu par Monsieur Perfect. Allez, bas! Et séquence rapide qui se termine avec Tito qui fait un hip toss et chasse Perfect du ring avec un dropkick. Et après ça, on a Tito qui fait une erreur en baissant sa tête et Perfect le kick qu'elle a fait tomber avec une line par la suite. Et Bobby Nunn dit à l'extérieur à Perfect de se garder l'énergie et prendre le contrôle du match. De pas tout perdre son blow son load tout de suite au début. Sois intelligent avec ton énergie, ouais. Mon cher Mister. Ouais, du calme. Et Perfect qui va d'un très beau show chassé sur place, sur Tito. Et après ça, on a Perfect avec Santana dans le coin. Il lui donne quelques bonnes shots, mais reçoit une botte sur une charge et Tito s'enflamme. Santana ramasse Perfect, mais ce dernier tombe sur la jambe de la bête Earl Hebner pour un ref bump. Ça, c'est très important, le ref bump, ouais. Parce que c'est le reste du match est buildé sur ça. Mm-hmm. Prise en 4 sur Perfect. Il abandonne, sauf que malheureusement, il n'y a pas de bête pour sonner la cloche parce qu'il il vient de se tenir la jambe dans le coin, il a mal. Et Tito tente de relever l'arbitre. Avant bras la volée de Santana, il couvre Perfect. Hebner se tient les genoux, mais il finit par faire le compte en rampant. 1, 2, non! À la dernière fraction de seconde, Perfect dégage. Puis quand je dis la dernière fraction de seconde, ouais. C'est vraiment la dernière fraction de seconde. Ouais. Vrai. Corde à linge de la 2. Encore une fois, le ref est lent. Il a mal à la jambe. 1, 2, Perfect qui compte encore à la dernière seconde. Puis après ça, un autre arbitre arrive à la course et on va une pause commerciale. De retour avec Tito qui entre sur Perfect en croix de corps pour un autre compte de 2, très proche d'un 3. Et après ça, un next snap de Perfect qui se fait essuyer le visage par Inan avec sa serviette à l'extérieur du ring. Le combat ralentit un peu, mais ça devient rapidement. Ça redevient rapide avec un punch qui envoie Perfect du coin jusqu'en bas dans un crisse de beau bump. Chris, oui. Ouais. Et Tito le suit. Il fait une atémie qui fait tourner Perfect en triple book à piquer. Et après, on a un spot classique de Perfect qui se fait lancer par les cheveux et dans sa glissade, il glisse dans le poteau. Avant l'entrejambe premier, puis il fait les gros yeux là, à la caméra. Là. Oh! C'est malade. Honnêtement, là, puis je vais le dire tout de suite, là, ce match-là, c'est un calice de bon match. Là. Solide à ce fuck, le meilleur match de la soirée, là, ouais. Juste pour être précis. Là. Mais si vous êtes un lutteur indépendant aujourd'hui, puis vous écoutez le podcast, là, allez voir ces matchs-là. Parce que il y a plein d'affaires innovateurs que même encore aujourd'hui, il n'y a pas dans les matchs d'aujourd'hui. Puis dans ces matchs-là, il innove d'une façon. C'est fou. Allez voir ce match-là. Il y a vraiment des belles choses. Oui, en effet. Je suis d'accord avec toi. Après ça, deux gouttes atomiques suivies d'une autre line et Tito est prêt pour finir le combat. 1, 2, et non! Quel match! Perfect Plex! Bloqué en petit paquet par Santana. 1, 2, Perfect renverse en petit paquet lui-même. 1, 2, et 3! Toujours champion, Monsieur Perfect, au grand plaisir de Bobby the Brain Heenan à l'extérieur du ring. Puis tu sais que quand le face fait un petit paquet puis que l'autre renverse en petit paquet, tu sais que c'est. Quand le heel renverse, tu sais que c'est fini le match. Ouais, c'est fini. C'est sûr et certain, ouais. c'est un autre niveau. Fait que, comme tu as dit il n'y a pas longtemps, un combat exceptionnel pour un match, surtout pour un TV match là, qui est genre, t'as pas un throwaway match, là, mais un match important quand même, mais vous savez ce que je veux dire. Là, c'est pas un pay-per-view match. Puis tu sais, il y a tellement eu de matchs de télé que c'est dur de faire des classements, mais c'est un des grands matchs de la télévision, là, ouais. Honnêtement. Puis allez voir ce qu'on veut absolument. Puis oui, j'ai regardé, il est sur YouTube quelque part. C'est, la qualité n'est pas super belle sur YouTube, par exemple, là, mais allez le voir quand même, ça vaut la peine. Puis écoutez. La réaction de la foule dans ce combat-là. Oui, là. C'est fou, là. Tito Santana, il est over as fuck. Puis la foule, là, croyait vraiment que Santana allait battre Perfect. Là. No shit, là. Il croyait vraiment. Malheureusement pour Santana, c'est pas mal le plus haut qu'il va avoir dans sa carrière. Là. Il n'aura jamais été. Le top de sa carrière, ça a été ça. Puis, tu sais, le champion intercontinental. Mais à part ça, il n'a jamais été plus haut dans les sommets. Notre ami Santana! Et puis, je note jamais les matchs qui ne sont pas pay-per-view pour les notes. Là. Mais ça, c'est facilement 4 étoiles sur 5 à peu près. Ah, moi, je donne 4. Ouais, 4. Ben ouais, dans le ballpark de ça, là, à peu près. Mais pour vrai, là, 4 étoiles. Okay, on va sell out pour 4 étoiles pour ce match-là. Fait que, allez voir ça. C'était écœurant. C'est vraiment bon. Ouais, vraiment.
Est-ce que tu as la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour eux autres? Ben oui, j'allais juste dire que moi, tu sais, oui, Tito Santana est bon, mais moi, je ne suis pas son plus grand fan dans le sens que, tu sais, je le trouve bon, j'aime ce qu'il fait, mais pas plus que ça. Il ne m'attire pas plus que ça en tant que lutteur. Personnellement, là, c'est rien contre lui, il est très bon. Mais, puis j'ai fait vraiment comme, oh, on dirait que j'ai comme. Pas de découvert, mais tu sais, des fois, tu regardes des vieux matchs, tu fais comme, ah, j'ai le goût de voir plus de matchs de Tito. Tu sais, mettons. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un match qui m'a donné le goût de voir plus de matchs de Tito. Tito va affronter Wardlord du côté de SummerSlam une semaine après. Puis Mr. Perfect, lui, va affronter le Texas Tornado dans un match pour le titre intercontinental. Puis c'était censé être Beefcake, là. Oui, ouais, c'est vrai. Je l'avais marqué sur ça. C'est à ce moment-là qu'il avait eu son accident, là, où il était, il a reçu le jour de quelqu'un qui faisait du parachute d'en face, là. Puis ça lui a tout chaleur à la face. Parce que c'était lui qui était censé battre Perfect pour le titre intercontinental. Puis Tornado a eu par la suite à la place. Puis comme tu as dit, Santana va être utilisé pas mal plus comme gars pour mettre le monde over, là, comme dans le Warlord, Barbarian, The Mountie. Mais tu sais. Oui. En même temps, il en faut des gars de même aussi. Là. Oui, c'est normal. Un jobber tout le temps, c'est bon. Puis il va être réintroduit en 91 pendant que El Matador, évidemment. Il est toujours le temps avec Jesse Ventura, Jimmy Hart, Dino Bravo et Earthquake. Il a été sorti en civière une fois et à SummerSlam, ça va être la même chose encore une fois. Et Earthquake dit que la seule façon qu'on va sortir de l'aréna, c'est en civière et de retour à l'hôpital. Il n'y aura pas aucune interférence de Tugboat garantie, dit Bravo à Jesse. Et le body final disant qu'aucun animal peut souffrir un tremblement de terre. Et on revient à Lord of the Days et Mean Gene dans la jungle. Et Ace a des jumelles et voit Jimmy Superfly Snuka au loin se sauver. De la police, sûrement. Et les deux arrivent devant un grand chaudron. Et on voit Hakim et le Slickster. Et Slick leur demande s'ils sont perdus. Et il dit non, au contraire. Puis il demande à Slick où est la rivière du Yangtze. Et Slick lui donne une direction, mais Lord of the Rings ne l'écoute pas. Il va tout droit devant. Et après ça, on a Ace qui arrive à une rivière et qui soupçonne de ne pas être celle qu'il recherche. Il va toucher à l'eau avec son pied pour voir si c'est chaud ou pas. Puis il est sur le bord de tomber dans la piscine, puis dans la rivière. Puis il prend juste Mean Gene, puis le garage dans la piscine. Puis là, en fond, il fait juste dire. J'essaie de sauver Mean Gene le plus que je pouvais. Là. Il n'arrêtait pas de bouger. Incroyable. Ouais. Puis après ça, quand il sort, il dit « Tu m'as embarrassé encore une fois, Jim! » Puis là, aucun clan. « C'est pas Jim, c'est Gene! » Et c'est même que ça redevient le segment, celui-là. Match numéro 4. Playboy Buddy Rose contre celui qu'on a mentionné tantôt. T'as juste sur les autres, Kerry Von Erich. Yes. Tout fraîchement arrivé de la WCCW, le World Class Championship Wrestling au Texas. C'est le début in-ring de la WWF pour Kerry Von Erich, qui a gardé son nom pour une couple de semaines de WWF et pas arrivé juste t'es juste sur les dos comme souvent qu'ils font quand un lutteur commence une autre place. Là. Mais ils l'ont fait ça par la suite, mais c'est juste t'es juste sur les dos, mais au début c'était t'es juste sur les dos, Kerry Von Erich. D'ailleurs, je sais que je suis en retard, mais j'ai pas écouté le film encore. Non plus. Mais cette semaine, je m'étais mis ça dans mes to-do à faire d'écouter ce film-là parce que il est sorti en vidéo sur demande, puis je pense qu'il était comme 5$ pour louer. Fait que, ah, OK. Ouais, je veux l'écouter, honnêtement. Tu sais, je peux pas écouter. Puis c'est une histoire que je connais pas au complet. Tu sais, je connais des petits bouts. Je sais que c'est pas tout raconté de la façon que ça devrait être raconté comme n'importe quel film de la romance, mais je pense que ça va être une histoire qui va m'intéresser. Puis tu sais, les Von Erich, c'est une partie importante de l'histoire de la lutte, je pense. Puis on n'en parle pas beaucoup dans le podcast non plus des Von Erich, mais éventuellement, je pense que, ben tu sais, anyway, on peut faire tellement de sujets que la lutte, là, mais éventuellement, les Von Erich, ça serait cool d'en parler plus parce que je pense que c'est une partie importante. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui connaît les Von Erich, honnêtement. Là. Non, c'est sûr. Bref, on va voir, là, je dis ça de même. Mais... Puis, est-ce que tu sais ce que Buddy Rose avait fait à la WWF? Je me souviens.
Je parle d'un segment qu'il a fait là, parce qu'il avait quand même un petit surplus de poids, ce gars-là. Il était pas petit. Là. Ben, c'est pas le segment de télévision qui s'est fait blaster par l'animateur, là, ça? C'était-tu ça? Non, c'était genre un genre de parodie des infomercials sur quelque chose qui s'appelait le Blow Away Diet. OK. Puis ce que ça disait, c'est qu'il y avait genre une grosse boîte avec de la poudre dedans. Puis ouais. Dans le fond, il disait que c'était son remède pour perdre du poids. Fait qu'ils ont couché des gens une chaise berçante. Puis genre, il commence au début, il est assis dans la chaise berçante. Puis ils font juste garrocher avec une fan la poudre sur lui. Après ça, ils font un avant-après, comme quoi qu'il a perdu du poids, mais c'est la même crise de photo. La seule différence, c'est que celle qui a plus de poids, il fait pas de fin, il fait pas de face. Puis l'autre, il sourit. Fait qu'ils font comme genre, il a perdu du poids, mais c'est pas vrai. Fait que le Blow Away Diet s'appelle. C'est disponible sur YouTube, ça aussi, si vous voulez aller voir c'est quoi. C'est genre, c'est un segment genre pour le fun. Là. C'est pour. Ouais. Ben. Je savais que c'était quelque chose qui avait rapport avec le poids. Je savais juste pas si c'était ouais. Un truc de même. Ouais. Vous allez comprendre plus qu'est-ce que je dis si vous allez voir le segment. Ouais. Rose gifle Kerry avec un bris dans le coin et le sort du ring par-dessus la 3. Ben non, les enfants, il se sort lui-même par-dessus la 3 pour que l'autre il reste une volée après pour se revenger. Et Tornado réplique avec un bras à la volée. Et après ça, un show chassé lui vaut un 2 sur Bonnie. Et après un punch, le Playboy est pris dans les câbles à André le géant. Et quand il fait ça de son emprise, il glisse en bas du ring. Il remonte. Dans les yeux de la tornade du Texas, il va sur le troisième corps, mais Von Erich se relève et le slam. Un coup de poing tornade finit ça. Victoire pour le début de Kerry Von Erich à la WWF. C'est un peu. Main event, c'est un peu bizarre, non? Ouais, mais c'était ça, ça allait être main event. Il mettait les main eventers. Ouais, c'est vrai. Plus ça avançait, plus c'était les moins. Parce qu'il y a moins de monde qui sont réveillés pour ça. T'sais. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est pris, c'est comme ça. C'est pareil, le même principe que quand il mettait Hogan et Aucho au milieu du show, puis après ça, ben c'est des stars, mais genre moins. Là. Ouais. Kevin Von Erich, il est décédé en 93. Non, Kerry, ça, tu parles. Kerry, non, c'est Kevin, c'est ça? Kevin, c'est le seul qui est vivant, là. C'est ça, c'est ça qui est vivant. Okay, ouais. Ouais. C'est lui qu'on voit tout le temps quand il parle des Von Erich. Ouais. C'est Kerry qui voit Kerry qui est. T'as raison. Ouais. Je trouve que. Leur face un peu ressemble à Ultimate Warrior, pas de maquillage. Ouais, ben c'est souvent. Quand il était jeune, là. Mais il disait ça aussi, tu sais, quand le Warrior est revenu, là, en 92 à WrestleMania 7, WrestleMania 8, quand il venait aider Hogan de Sid Papachango, là. Mm-hmm. Ben, beaucoup de monde, c'est la rumeur, la légende urbaine, c'était ça, que soit que le Warrior était mort, puis qu'il avait pris Kerry Von Erich pour le remplacer avec le make-up, parce qu'il se ressemblait les deux. Ouais, ça aurait pu. Ouais. C'est juste que l'autre qui était grand, était plus grand, par exemple. Que... Ah, il était la même grandeur, je te dirais, moi. Ouais. T'es pas plus grand que ça, Kerry Von Erich, que Warrior. Peut-être un pouce de plus, peut-être. Pas plus. OK. Ouais. Puis, fait qu'après ça, Tornado va perdre pas de temps. Il va donner championnat continental par la suite contre M. Perfect, comme on a dit tantôt. Ouais. Et malheureusement, c'est le plus haut qu'il va être et dans un triste dénouement. Il va s'enlever la vie en février 93. Puis, il y avait beaucoup de problèmes. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Quand est-ce que t'as dit ça? J'ai dit, il est mort en 93, tu dis non, c'est pas lui. Non, ouais, c'est parce que t'as dit Kevin, je veux dire. Ah, OK, ben je parle, non, c'est Kerry, ouais. Ben, c'est ça, il est mort. Tu fais juste rajouter, là, par-dessus, là. Ouais, parce que, ouais, c'est un suicide. Pas du repos, on a les mêmes affaires marquées, on parle des mêmes événements. On parle de la même chose. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que t'as pas marqué, puis moi, j'ai mon affaire, vraiment, ouais, c'est clair. Buddy Rose va faire le segment que j'ai parlé tantôt. Là. Ouais. Puis ensuite, il va lutter spécifiquement sur les house shows avant de quitter la WF en janvier 91. Fait qu'il reste plus grand temps dans le monde de la lutte. Ben, de la WF. C'est pas rien quand même. Ouais. Après ça, on a deux lutteurs avec Jesse Ventura, Bobby Heenan et Rick Rude. Et tout le monde sait qu'un animal en cage est un animal qui a peur parce qu'il est hors de son élément. Tu domines peut-être le royaume sauvage pour le moment, mais dans une cage de 15 pieds, Russian Rick Rules. Et tu vas le savoir, clam Bobby. Et ça va être SummerSlam 90 avec Rick Rude contre le guerrier ultime dans une cage d'acier. Et je vais au top de la cage, mais pas pour sortir, mais pour tomber sur ta tête. Grâce à mon désir brûlant de vaincre, je serai le nouveau champion de la WF. Fini Rick Rude. Ensuite, c'est deux temps avec Sean Mooney et l'Ultimate Warrior. Un jeune recruit m'a demandé de prendre mes pouvoirs, celles que je commande.
une cage de 15 pieds, un champ de bataille et une jungle pour toi, pour contenir mes guerriers, la puissance, les visions, le carburant qu'ils me donnent. Je ne peux que les confiner, les rendre sujets à un but, un dernier défi. Je peux pas leur faire ça. Je rentre le champion, je ressors de la même façon. L'animal ultime. Vous avez compris ce que Warrior a dit que j'ai traduit. Vous êtes un menteur, un, ou vous êtes fucké dans la tête, deux. Ouais. C'est spécial. Ouais. Et McMahon éventuellement avec une intervention. Et Jesse dit que deux animaux sont en voie d'extinction. Hulk Hogan et le Warrior. Après ça, Vince nous envoie Alfred Hayes et Gene qui sont rendus sains et saufs à l'intérieur. Et pendant que Hayes parle, Gene est avec lui un petit singe de compagnie, habillé pareil. Puis Hayes dit que c'est peut-être un membre de famille éloignée. Puis Gene le regarde croche, je pense pas, non. puis il a eu du plaisir à faire la recherche et qu'ils ont fait aujourd'hui quand même, malgré tout ça. Et Hayes nous souhaite la bonne nuit pendant que Mean Gene et le singe ont rien de s'amuser encore une fois. Et après ça, on termine ça avec Vince qui nous dit de les joindre là, en automne prochain pour la prochaine saison de Saturday Night's Main Event. Le show se finit avec un dernier look avec Ace et Gene et leur singe. Et c'est ce qui conclut Saturday Night's Main Event numéro 27, Wild Kingdom. Incroyable comme show. Spectaculaire. Regarde pour nostalgie. Ouais, puis regardez-les pas en se disant « Ah, je vais regarder des petits bouts. » Regardez-les comme vous regarderez, mettons, un SmackDown, un Dynamite. Tu sais, vraiment comme assidu. Puis écoutez comme ça serait live à TV en ce moment. C'est ça, puis si vous ne connaissez pas les mettons, ben là, vous connaissez le résultat si vous avez écouté le podcast. Là. Ouais. Mais laissez-vous aller dans ça, puis peut-être que vous allez plus, si vous l'écoutez, mettons, un mois après, peut-être que vous allez plus vous en souvenir là, du résultat, ouais. Mais laissez-vous aller là-dedans, puis vous allez être surpris comment que vous allez faire comme « Tabarnouche, 1990, hein? Ah ouais, pour vrai? » Ouais, 1990. Fait que, excellent. Excellent, on le recommande. C'est une bonne année, 1990, la WWF, pour vrai. Ouais, c'est pas dans le top 5, dans le top 3, c'est top 5 des meilleures années pour eux autres, certains, faciles. Exact. Fait que voilà. Mais si maintenant, t'aurais à juste dire une chose de ce show-là, mettons, aller regarder, c'est Tito contre Perfect. Oh! Ben! Ça, le vidéo d'Hulk Hogan. Pour le match, la qualité de match, oui, mais moi, personnellement, j'aimerais mieux que vous regardiez Ultimate Warrior contre Rick Rude. OK. Parce que, tu sais, vous avez sûrement une idée de Warrior, puis vous savez que c'est pas le gars qui fait le meilleur match. Fait, si vous n'avez pas vu beaucoup de matchs de Warrior contre Rick Rude dans votre vie, vous allez être surpris de ce chimie-là. Fait. Mais tu sais, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a la vidéo d'Hogan. Il y a le tag team que c'est pas le meilleur tag team, mais c'est pas. C'est bon. Puis le paysan, tu sais, pour vrai, il n'y a pas grand-chose de mauvais là-dedans, là, dans ce show-là. T'sais, le dernier match, ben, c'est quasiment plus une exhibition, hein, on comprend. Bon, ouais, mais, pour gagner du temps. Là. Mais tu sais, pour vrai, c'est une heure, là, ça passe vraiment vite. Là. Les segments sont drôles avec Mean Gene. C'est sûr que c'est pas drôle à se jeter à terre, mais c'est cocasse. C'est le fun à regarder. Tu sais, moi, je suis arrivé de travailler à 4h30. Tu sais, mettons, 4h45, je l'ai parti. 5h45, je l'ai écouté, puis c'était terminé. Là, puis tout était beau. Là. Ouais, c'est vraiment un plaisir à regarder, puis c'est vraiment fun. Exact. Voilà. Yes. Fait qu'il va y en avoir d'autres, hein, évidemment, des Saturday Night's Main Event. C'est pas le dernier qu'on va faire parce que c'est dispersé dans l'année. Là, on le fera pas tout en même temps. Là. C'est ça. Puis, tu sais, éventuellement, on va essayer de passer à travers des meilleurs, puis des pires aussi, probablement. Donc, parce que, comme tu as dit, là, du matériel là, pour des podcasts, il y en a pas. Il y en a quasiment à l'infini. C'est le fun parce que tout ce qu'on a à faire, c'est s'asseoir et en parler. Fait que c'est pas pire. C'est pour le body, c'est le fun. Ouais, exact. Tant que. Ouais, exact. Bref, c'est ça. Fait que c'est le Night Main Event, un autre qui est dans le rétroviseur, mon cher. Fait qu'on l'a sorti, on sort celui-là, vous le regardez en ce moment. Oui. Puis le prochain, c'est Dudley Boys, right? Dudley Boys. Fait que cette semaine, vous allez avoir ça. Là. Vous allez avoir Saturday Night's Main Event aujourd'hui. Vous allez avoir Dudley Boys au courant de la semaine. Puis après ça, on a une autre biographie qui va être dimanche prochain. Puis cette biographie-là, une de nos préférées, ça va être avec Double J, Jeff Jarrett. Ah ouais, vas-y. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, comment l'appeler, c'est
J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Jeff Jarrett. Voilà. Donc, Saturday Night's Main Event, Wild Kingdom, Dudley Boyz biographie, Jeff Jarrett biographie et évidemment à travers la table, jeudi 20h30 avec l'invité qu'on va annoncer. Ça va être aux alentours de mardi, mercredi habituellement qu'on annonce l'invité, que ce soit la veille ou le jour d'avant. Puis c'est ça, fait que pour vrai, ben du plaisir aujourd'hui à faire ce Saturday Night's Main Event. Ouais. C'était le fun à regarder pour eux. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis, même pas, on l'a bossé une heure, là, pas beaucoup en plus. Fait que ça va être le fun pour vous autres, ça sera pas trop long à regarder, ouais. À écouter et à regarder sur YouTube là, pour vous autres. Là. Puis, tu sais, pas d'excuses. On dit souvent là, que on va faire ça plus. Ça dépend toujours du sujet, évidemment, là, parce que des fois, il y a vraiment beaucoup de viande sur l'os. Là. Mais le plus possible, si on est capable de garder maximum 2 heures. Là, parce que l'affaire, c'est que quand on a un invité, mettons Alfredo, il va faire une bio ou quelque chose, là, c'est sûr qu'on niaise, on parle, on déroge un peu, mais quand on est juste ouais. Les deux, à 2 heures, c'est pas mal le max, je pense, qu'on veut faire. Là. Parce qu'après 2 heures, même moi, après 2 heures, j'écoute jamais un podcast quasiment 2 heures d'affilée. Là, c'est rare. Là, pour vraiment que ça soit. Tu peux écouter plus tard, là, pour écouter d'une shot non plus. Là. C'est ça, tu peux écouter la première heure après ça. Puis tu sais, des fois, il y en a qui l'écoutent en travaillant. Je sais qu'il y a une couple d'auditeurs, dont Joël Couturier, qu'on salue, que lui, il écoute ça en travaillant. Donc, c'est parfait aussi. Là. Ouais. On se fait pas, belle gang. Yes, sir. Fait que c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que vas-y, un mot de la fin avant de quitter ou. Bah ouais, si vous êtes. Dites-nous-le si vous êtes des fans de Saturday Night Main Event, peut-être qu'on pourrait en introduire un peu plus dans notre case horaire. Puis éventuellement, ouais. On pourrait peut-être faire un genre de petit pool de 3 puis de vous laisser choisir. On vous mettra, mettons, le match le plus divertissant de la carte ou qui vaut la peine d'être regardé. Puis. On vous laissera choisir si vous voulez vraiment voir des Saturday Night Main Event. Fait que ça serait cool d'en faire plus, peut-être éventuellement, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là, fait que... Ouais, là, il y a une chance de troller. Ouais, fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, TJ. C'était bien fun comme show. Pareillement. Puis, c'est ça, le mot de la fin, comme d'habitude. Oui. Le mot de la fin, là, au moment qu'on enregistre le podcast, là, on va écouter la game de hockey. Fait que go, Canucks, go. Puis surtout, ouais. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, on y va! Bienvenue à une autre édition du podcast de lutte entre deux chaises de métal. Oh, c'est parce que je recommence. Partez vos engins. Attends, on va recommencer ça. C'est moi, Spark Plug Oli, est-ce qu'il est dehors?